C'est sur une liste indépendantiste qu'elle fait son entrée à l'Assemblée de Polynésie en 2001, avant de basculer dans le camp autonomiste de Gaston Flosse. Elle sera ensuite deux fois ministre, puis choisira de suivre Édouard Fritsch après la scission du Parti Orange. Celle qui compte parmi les grandes figures politiques des îles sous le vent va remporter une bataille décisive en mai 2015. Elle sera élue sénatrice de Polynésie française. Lana Tetuanui est l'invitée de Sans Tabou. Sans Tabou, lundi soir, 19h25, sur la Première.